Canal Congo Télévision. Très heureux de vous retrouver, Doudou Montiri est au micro, Karine Bébé à la prise de vie, Fiston Atung à l'exploitation, Alain Kabongo à la coordination, merci. Et à la programmation, on est à Konda. Nous sommes très contents de vous retrouver et c'est jeudi, vous allez vraiment passer des bons moments et vous allez beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre. Et nous avons fait appel pour vous qui nous suivez, un médecin spécialiste qui va aider comme ça nos amis qui ont des problèmes sur le plan sanitaire, mais lui c'est un expert, un sexologue. Voilà, on va l'avoir dans cette rubrique sujet du jour et on va insister là-dessus avec notre invité. Et ça c'est la première rubrique, on en aura pour une trentaine de minutes. Et la seconde rubrique, grandes affiches. D'abord, là nous signalons, nous allons recevoir Le Noir. Avec Le Noir, nous allons comme ça débattre sur le quelques actualités du jour et lui qui va aussi argumenter et donner ses différents avis. Donc je m'en vais déjà rapidement saluer nos deux invités, malgré qu'ils seront, donc chacun à sa rubrique pour intervenir. Bonjour docteur. Bonjour docteur Monturi. Onia. Oui, c'est docteur Onia, le sexologue du moment. Ça va bien? Ça me fait une joie d'être un médecin, et deuxièmement un médecin humaniste. Très bien. Voilà, Le Noir, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Oui. À CPD et à les médecins. Mais vous mettez ma solution à politique. Oui, non, là, tu mets ma solution à la politique, mais cela n'empêche pas, comme le médecin est là, d'en reprofiter. Ou apprendre. N'a apprendre sur la médecine, pourquoi pas. Parce qu'un homme scientifique ne peut que bénéficier de ma connaissance. Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment trop professionnel de votre part. Merci. Alors, très rapidement, on passe directement à la rubrique sujet du jour. Mais avant tout, on a rapidement pour rappeler, nous avons un cadre exceptionnel. Pour ma maman, on a au mois de la femme, déjà tout signalé, mois de la femme, l'hypothèse, c'est bien, mais il faut aussi pour Sambela. Hein, donc, na Kimwenza, chez les boss Kimwenza, on a ici Sikamoko, réservé pour la Batouba Sambi, là-bas, c'est concentré dans la prière. Et pour la maman, le Bibo Kende, les 31 mars, jour à clôture de la femme, pour Kendana Kate, on a Oufele, on a aussi concentré dans la prière. Et ça sera vraiment intéressant. Donc, oui. Maman Batela Libala, Batela Bana, Batela Pivota, Nalo Sambo. Alors, tu as dit que tu as pour nous permettre de nous faire un Zambé Pazali. Comme dans la montagne, pour nous faire un Zambé, et c'est qu'il y a Zali. Ça, c'est très important. Alors, je crois bien, on va faire ça. Très rapidement, suivez. Exact, et c'est Zamba, oui, ok, mais c'est qu'il y a un environnement, il y a mal à monter, il y a un problème, au Zambé Limé, aux yeux. Nous avons suivi tout le bangoumi va déranger aussi malaria au final au Sambela. Nous avons ce qu'un jour mal à monter pour battre un jour épargner. Voilà un cadre approprié pour vous qui voulez prier dans les calmes et vous concentrer à la prière comme il fonctionne et nous allons revenir après. Du nouveau à Kinshasa, chers religieux, pasteurs, fidèles, voilà un cadre approprié pour vous recueillir et dans le calme total. Chez les boss, à Kimwenza, nous vous convions à cette adresse pour une bonne concentration de la prière. Cadre bien aménagé avec le nécessaire vous permettant de vous recueillir. Banakin, Banabraza, Basalanzambi, ma pasteur, Bandego Banso, Badingran Kolo, et Sika Oyebon, Kisami Ponabino. Chez les boss, on a Katia Kimwenza. Vous avez la séminaire, vous avez la campagne d'évangélisation, vous avez la activité d'enke na ndenge pour te okuba kozala na kimia nyonso. Chez les boss, courant et malamo, mai longobani à ta retraite. Il y a 40 jours, vous avez la mona kimia nyonso. Chez les boss, et si kama lamo pour être vous avez ta plus de 5000 personnes, vous avez fait na kati pour ça la séminaire, la campagne au ya kafu kafu. Il y a solo pour Bengi, Petroïko Bella, Baïke Oyo Balingakankolo, Baya Ipele, Nakati, Ya Kadre Oyo Kitoko, chez les boss. Ah oui, Zambé Azolokoum, Oya Ipele, pour ça la réservation à vie.
Voilà, merci Alain Kabongo. Et là, rapidement, pour continuer à le sujet du jour, on a le docteur Otuzole Poyamba, Michel Onya, un sexologue, un mon pote. Je vais vous expliquer ce que vous avez dit, 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 vous sanitaire et mingi penza na makambo etali nzoto ezali kosala malamu te ezali kotambola malamu te nimba ko kosala po te bazo orientation boyo yango to ofanda pena na bozindo lelo batu mingi bazala information. Merci beaucoup ndeko journaliste nazali ne sengo mingi pona ndenge obengisinga na plateau pour expliquer musala oto kosala pona bandeko na biso ba congolais ya ngambo ya Brazzaville to ya Kinshasa pour comprendre tout en la kilasi et pourquoi nous sommes rentrés au pays pour les aider. Yayambo Nazali Munganga, Nazali médecin généraliste à l'université de Kinshasa. Et puis na talaki ke ko tukakawana ezalaki pasi to singelaki ko kende na mikile ya poto pour na koyekola ba bengi gynécologie en reproduction. Bato ba yebi makambo ya gynécologie ke talaki kabasi. Or que gynécologie est étude et organe génital. Gynécos dilatus qui signifie étude, générer la vie. Donc c'est une science qui donne les études des organes qui donnent la vie. Et seule la femme n'a pas les organes qui donnent la vie. Et la femme et l'homme ont des organes de la reproduction. Nous sommes français et nous avons fait encore une autre branche de la spécialité. À part la gynécologie de la reproduction, nous avons ajouté la sexologie clinique. C'est-à-dire les organes de la reproduction, comment ils doivent fonctionner et comment ils doivent mettre au monde et la femme et l'homme. Donc nous avons fait la gynécologie de la reproduction, nous sommes maintenant gynécologues, sexologues parce qu'on a ajouté le fonctionnement des organes de la reproduction. Donc il y a une confusion que les gens peuvent faire parce qu'un gynécologue ça concerne les femmes, non. Un gynécologue obstétricien qui est exclusivement chez les femmes. Parce qu'il étudie l'obstétrique, qui est la science d'étude des mécanismes à laquelle on protège la grossesse. Obstétricale, dira tout ce qui signifie soutenir, mettre calme à cette grossesse, à cette pièce précieuse qu'on a eu, qui est l'enfant dans les ventres. Voilà, c'est pourquoi ils s'appellent des gynécologues obstétriciens. Ce sont des gynécologues qui soutiennent les grossesses. Nous avons fait la gynécologie de la reproduction. Comment on peut étudier le fonctionnement des organes de la reproduction de la femme que de l'homme et comment ils peuvent fonctionner sur le plan sexuel et comment on peut l'applicabilité de ces organes, comment les gérer dans le bon sens s'il y a maintenant un défaut ou une déformation ou une malformation dans les organes de la reproduction, comment on peut pallier, remédier à ça. Voilà les études approfondies que nous avons faites pour amener à la population congolaise un changement de mode de vie. Et parce que vous savez que sans le sexe, le pays ne sera pas développé. Parce que sans le sexe, vous n'aurez pas des acteurs politiques, des acteurs qui peuvent nous amener à développer ce pays. Parce que si le sexe n'est pas là, il n'y aura pas d'abord de ces enfants. Et si les enfants, si d'un foyer qui ne pratique pas une bonne sexualité ont les difficultés d'éduquer très bien les enfants, parce qu'ils ne sont pas unis. Et vous, ceux qui considèrent que la sexualité, c'était un sujet tabou. Non, même papa journaliste, et Ali Makambalokuta, sexualité, tu as célébré Yango, un mariage coutumier, un mariage civil, et pas l'État, et payé, et quand il y a l'église, et pas pasteur, tu as célébré Yango. Qu'est-ce qu'on appelle un mariage? Quelle est l'unité centrale du foyer? C'est le sexe. Quelle unité centrale du foyer? Et lorsque sexualité est la malamouté, c'est-à-dire foyer les autres autant pour la malamouté, moyen paye à coco les sabano baboti malam et kozalate, et lobby to kozalape, la banna ou bazali bakuluna, bachege parce que bazoaki éducation de base, l'éducation de base est basée sur la sexualité. Parce que la sexualité unit le foyer, et lorsque le père, le papa et maman sont unis dans leur sexualité, ils vont vous donner les meilleurs conseils, des meilleures orientations, vous envoyer à l'école, vous envoyer à l'église pour avoir la morale et l'éthique. Donc la sexualité est au centre du foyer et le foyer sont au centre du pays. Parce que c'est le foyer qui nous donne les élites du pays. Donc la sexualité est au centre du pays pour le développement.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons approfondi cette notion qui est une branche de la médecine qui est tellement très capitale et très importante. Ça intéresse toutes les couches de la population adulte. Voilà, alors docteur Michel Onia, très rapidement, fonctionnement des organes de la production. Comment savoir que votre organe fonctionne comme il faut? Merci beaucoup. Élément et Alice Bibale, élément autobendi fonctionnement mécanique et puis fonctionnement physiologique. Sur le plan mécanique, c'est sur le plan comportemental et sur le plan faisabilité, comment on peut satisfaire à un partenaire. Donc satisfaction d'un partenaire, c'est amener les partenaires, respecter les étapes de la sexualité et amener les partenaires à l'orgasme. Les étapes de la sexualité, on peut les préciser. Nous avons d'abord les temps de préparation. Un union du foyer doit être bien préparé. Donc la préparation peut se faire une année, peut se faire 3 mois ou 30 minutes. Ça dépend de la manière dont vous allez apporter cette préparation. Deuxième étape, vous aurez un temps de caresse, de chercher le centre de stimulation de partenaire, donc les zones érogènes. Ma zone, ils allaient milieu, ils allaient sensible pour amener ton partenaire à être aux aguets. C'est-à-dire avoir leur capacité à atteindre certains objectifs sur le plan sexuel. Donc après, nous aurons cette zone. Ça peut être, vous devez caresser le partenaire du plantes du pied jusqu'au chevet. Parce que le chevet, c'est un milieu de transmission de l'influx sexuel. Parce qu'il y a une protéine qu'on appelle kinétochore qui se trouve au niveau du chevet, qui amène le courant influx sexuel rapide, plus que même d'autres parties régionales. Donc il faut caresser votre partenaire au pied jusqu'aux plantes du chevet, à la recherche de la zone érogène qui permette à la sensibilisation de la personne, à la stimulation complète. Et à ce moment-là, troisième étape, vous allez avoir une pénétration plus facile avec des petits questionnements qui orientent la sexualité dans le bon sens. Et après, vous allez penser à la dernière étape qu'on appelle l'orgasme. Et là, vous allez dire que c'est un rapport ou un fin du foyer qui a respecté les étapes précises. Ça, c'est de un. Deuxièmement, si on n'arrive pas à respecter ça, on doit voir que vous avez des dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement pourrait être à l'origine de beaucoup de fléaux dans le foyer. Et que ces dysfonctionnements également, on peut les énumérer. Il y a des dysfonctionnements par rapport au fonctionnement physiologique et au fonctionnement mécanique. Sur le plan mécanique, c'est-à-dire effectivité d'accomplir un acte sexuel irresponsable, indifficile par rapport à quelqu'un qui peut revenir une seule fois. Il n'a pas les capacités de revenir pour la deuxième fois pour satisfaire son partenaire. La première coïte pourrait être là et sans être satisfaite, mais on demande encore de revenir pour la deuxième fois, mais la personne est incapable d'être stimulée après 25 minutes. Parce que l'intervalle est reconnu en sexologie de la reproduction, d'un coït à l'autre, il me faut au plus ou moins 25 minutes de repos. Lorsqu'on arrive à dépenser ces 25 minutes et qu'on stimule, il n'y a pas d'érection, il n'y a pas de mouvement, c'est-à-dire que cette personne est malade. Deuxièmement, on peut avoir une sexualité, donc une érection qui est sensible, qui est tout ça, mais cette érection est molle. Il est non rigide, incapable de faire un acte responsable du foyer. À ce moment-là, on aura à aider cette érection par les doigts, par les salives ou des gels pour les foyers qui sont instruits. Donc, à ce moment-là, tant qu'il va foyer, on a basalé qu'un soit instruit, cette pénétration pourrait être aidée par rapport à la gel, à la salive. À ce moment-là, vous allez sentir qu'en pénétrant, il y a des mouvements de chaleur qui permettent maintenant que non, la sensibilisation pourrait être là. Il peut y avoir aussi les personnes qui n'ont que l'érection à l'absence de son partenaire. Si le partenaire est là, il n'a pas d'érection. Ça, ce sont des personnes vouées à un fléau qu'on appelle la masturbation, qui est un fléau énorme pour le dysfonctionnement de l'érection chez les hommes et aussi même chez les femmes. Parce que les alliés pour la bande de coups, la masturbation. Masturbation.
les vibromasseurs. C'est un pénis vibraire, c'est un pénis plastique qui nous aide à l'aide de courant pour la satisfaction d'une femme. Oh, les conséquences. Les conséquences en sont énormes. Et ils allaient bêler par rapport, d'abord, insatisfaction d'un homme. La personne a commandé de sentir le tout-moumbalité. Et puis, complication, ils allaient bas, infection à répétition, puis manque d'orgasme. Ces courants-là ne te donnent pas l'orgasme. Ça donne une sensation de satisfaction, mais ce n'est pas une satisfaction complète comme une personne humaine. Et ça amène également même à la stérilité. Parce qu'il y aura la nervosité, il y a beaucoup d'éléments qui vont concourir pour amener que la personne n'arrive pas à mettre au monde suite à l'utilisation de pénis de vibraire, qu'on appelle les pénis vibraires ou les pénis master. Donc ça, c'est chez les femmes. Oui. Chez les hommes, la masturbation, c'est un fléau. Et il y a comme un bande de combats, il n'y a pas de trouble d'éjaculation. Il y a comme un bande de combats, il n'y a pas de trouble d'érection. Peut ils ont diminué le calibre de l'organe génital. Donc c'est un peu ça, les complications qui peuvent arriver. Docteur Michel Ounia appelle tout le monde de Bonabissou. De Bonabissou, au nom du papa. Allô? Oui, papa. Voilà. Docteur Ounia, merci beaucoup pour la mission. Docteur Ounia, le balingala. La langue de l'émission est lingala. Donc, bateau va être ça la motivation, ils ont la conséquence à ma bête. Si vous bateau va utiliser la qui ça va encore. Bah, en coro, bah, dis-nous, sous-sous. La conséquence dans nous allons. Il y a un docteur ou le penza spécialiste dans mon salaire. Donc, il y a un moto charlatan qui est en Bélibino. Il y a ma précision, tant d'aller couper ça. Très rapidement. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Pour la bande de Bonabiso, Oyo Bamelaka, Etilizaka, on l'appelle ça utilisation, il y a des stimulants ou les aphrodisiaques. Et qu'on utilise ma médicament, tout le monde a collé à Oeza la cana, ma mangouya, et à copé sa mouguisa, pour n'amener comme un bal, à la mouille, pour n'amener comme un partenaire naïe. Et Zali n'a pas coco sur moi et belé, d'Akisa loco, la trouble à l'éjaculation, et Bandeli, Moutakobano Kota, à Manomon, à Kenoy, et nous autres, on a été les magasins sur Malamonte, il faut utiliser Yango, ce qu'on appelle la dépendance. Alors, pas les bossos, ce qu'on met les angotés, au cours où ça en a été les autres, on a eu côté les matins, puis malheureusement, ça en a appartenu à les alités. Et à mi-balé, et qu'on dit qu'on a la paix, ce qu'on utilise à Kango Mingi, même produit, on a eu ça à Kalsusouté. Il faut changer le produit, mon sous. Donc maintenant, il faut changer la molécule. Tant que tu changes la molécule, nouveau molécule, ça réagit, tu as encore les mêmes érections. Jusqu'à ce que tu vas finir tous les molécules en utilisant ça et vous devenez maintenant impuissant pour toujours. Mais vous allez constater les troubles d'éjaculation, la qualité de l'érection abusée et puis l'organe génital de la reproduction et Banoconda en utilisant les Viagra et les stimulants. Mais qu'est-ce qu'on appelle les Viagra et que les stimulants ou bien les aphrodisiaques? Les stimulants sexuels, ils arrivent à médicaments qu'on peut utiliser pour avoir une érection. Mais les aphrodisiaques, ils arrivent à médicaments ou bien qu'on a un complément alimentaire ou bien qu'on a un complément alimentaire ou bien qu'on a un complément alimentaire ou bien qu'on a un complément alimentaire. Donc il y a des différences. Stimulants sexuels, ils arrivent à l'érection pour avoir un complément 10 minutes, 20 minutes pour ça l'acte sexuel ou pour avoir l'anguille dans la sexualité. Maintenant, ceux qui aphrodisiaque, ils allaient bloquer le lit pour stimuler libido, pour réagir dans le corps humain, tous les produits que nous mangeons. Mais lorsque vous découvrez que ceux qui ont lié l'eau, sont le tour, mais bien, sont le tour, maintenant, bien, voilà, devient maintenant un danger, un stimulant sexuel pour vous. Les jours que vous avez goûté et goûté les matins, c'est maintenant que tu deviens malade. Alors, bloquer le lit, les alliés, nous sommes allés, pour les qui n'ont pas voulu, bloquer le macaque, aux gens, quand même, normalement, Bilo, Kobile, Yango, vous proposez votre corps, l'on a. Oui, une des journalistes, Bilé et Zali, autobengi, régime alimentaire lié à la sexualité. Ce que vous avez lié à Yango, vous pouvez garder sexualité à Yango. Oui. On a vu le bango à la télévision, tout bas. Non, tout bas, il y a la télévision, mais pas Benga. Mais pas Benga, dans le numéro, 081-052-5708. Donc, tout répété, 081-052-5708 et les numéro Moutako Benga pour n'a pas besoin de régime. Pourquoi pour n'a pas besoin de la consultation naïe ou bien pour n'a pas besoin de régime alimentaire naïe? Mais les journalistes n'ont pas besoin de la montée
Et Zali que le sexologue du moment a y aller poser la population, a Zali qu'on s'en d'amongoté pour na kouya na consultation ou bien na bureau naï. Bayaka ou fêlé pour na kouboumisa mboka. Parce que na yimbula qui est que non, mboka pour ebonga malam, il peut sexualité à ba papa et télé mangouina ya ba maman. Ce que dans malam, Dieu va te voir comment il va conséquence. Conséquence, il y aura des divorces. Divorce. Et puis, éducation ya ba ne kouza déguisé. Parce que ma parole va être unité. Parce que qui les unit? On appelle le foyer. C'est le sexe qui est l'unité centrale de l'unité du foyer. Lorsque sexualité est dans la malamouté, papa Dalina est le macalissus. Comme maman peut être comme un orgasme. Tu vois, vous voyez aussi, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, foyer voyez, vous papa vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous mais à Zoïbsa, il y a eu un parce que à Zoïbsa, il y a eu un bali, 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 il y a eu un bali. Papa a eu sur le plan physiologique normal, à Motakanaï. Mais sur le plan mécanique, Azali est capable de satisfaire maman, mais il y a eu un orgasme. Sauf que quand tu as eu un bali, il y a eu un bali. Et puis moi, maman, il y a eu un bali, il y a eu un bali, il y a eu un bali. Mais maman a satisfait. C'était dangereux. Ah oui, c'est un danger pour la communauté. Donc, mon foyer, il faut aller éliminer dans la sexualité. Il y a un nez au Gabango, parce que ça va na naïnité. Peu bana va pour qu'il y ait des photos utilisées Bango. Basala va journaliste, indigné salopo la yo. Basala va avocat, basala va ministre. N'a pas trouvé un mot. Vous avez réparateur et sexe. Et Zali Moutine, au Zambé, a signé la clé. Basala, réparateur sexuel. Des pannes sexuelles chez les femmes et chez les hommes. Que ce soit des fistules vagino-anales chez les femmes et aller au félé, que ce soit réparation de béance vaginale chez les femmes et aller au félé, que ce soit un penu qui a rétréci, donc l'ombre va le condi suite à ma maladie, yango et aller au félé. Consultation, n'a rendez-vous pas docteur du moment, les sexologues du Congo. Vous comprenez Ezali Ofele. Ofele. En ce qui est au Kéna, à Tambo magasin, na quand la terminus y a magasin qui tambo, n'a venu Kassavou numéro 10, au moins on va commis clinique du moment. Kassavou numéro 10, clinique du moment. Et Aluana, docteur Aokoyamba, de 8h jusqu'à 18h. Et puis Ayambaka Ofele. Très bien. En plus de ça, pas seulement que Koyamba Ofele, ce qui est Ezali na maladie à urgence. Le coup la fièvre, aux occupants, aux douleurs, aux reçoivants médicaments, il y a ouvelé à cas d'urgence. C'est l'amour. Parce que nous voulons que les pays soient comme ça, leur pays. On n'aime pas le je suis un médecin de l'État, l'État me paye tant que médecin. Très bien. Donc, mais les cabinets privés que nous avons ouverts, c'est pour les Congolais. C'est pour les aider à aller devant. Pour le plan sexuel. Parce que ce qui est sexualité que dans la malamouté de vos journalistes, peut-être que vous nous criez à la télévision, nous avons dit que nous allons produire la sexualité. Donc sexualité est la clé. Il n'est pas basé à des développements et à mon cas. Ça, ce n'est pas vrai. S'il y a des incompréhensions au sein du gouvernement, c'est parce que la sexualité ne marche pas. C'est pour cela qu'on va t'aider, Oui, j'utilise oui, les hygiènes, le PD, ce sont des termes. Bon, les gens, à l'église, on l'appelle démoniaque. Mais nous l'appelons que sont des pathologies. Ah bon? Oui, psychosomatiques. Et peu de conséquences. Il y a des conséquences et des faces, mais moi je le répare. Soit tu es PD, tu es lesbienne, vous passez au cabinet, on va vous aider à quitter ce stade et à le mambé. Nous sommes dans la zone qui est la sexualité normale. On a les alliés, nous avons une machine, nous avons une technique appropriée pour ça, parce que je suis spécialiste dans le domaine de la sexualité reproductive. Ok, alors très rapidement, parce que tu vois que la sexualité est un sujet tabou. Docteur Albi, il a tabouté, sexualité, il a bénéficié, il a profité de la mort en abysso et que dans les bossos, il a développé. Mais seulement, il y a un moment pour tous les gens qui ont ma malformation. Et ma malformation, les bossos, est-ce que l'élément où ça a la malformation, surtout chez les femmes, sur le plan sexuel, c'est quoi ça a mis? Donc, le journaliste, il a dit que tous les gens n'ont pas syndrome et belé. De Hanscan parce que bon, bah, tout en dégoût, on a expliqué le syndrome auto-bengi hypoplasie des organes, c'est-à-dire bah, organe et à moutou et condi agénésie des organes, bah, organe et salama malam ndambo 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 envers na trompe et zo sanganate trompe na matrice et zo sanganate les ali. Et puis nous on a eu à matrice et à Kokonda. Et puis contact malam mon matrice na organe génital ya ba mama et ayi ko sanganate ko le funga makate parce que il y a une agénésie des organes. Donc ce sont les types de malformations. L'hypoplasie les organes, c'est-à-dire tous les organes sont en place mais est diminué calibre. Okay. Donc les trompes sont bouchées,
les ovaires ne fonctionnent pas, ils n'émettent pas de follicules ovariennes. Donc il y a beaucoup de choses chez les mamans et qui ne voient pas, les voient seulement l'organe génital qu'ils voient là. Et puis il y a des complications. Pour les grands signes que la femme va commencer à avoir, troubles des règles. Règles douloureuses. Oui, règles douloureuses, troubles des règles. Ça aussi c'est ça. Ça c'est le premier signe qu'il va voir, les nasali malamouté. Deuxièmement, il peut avoir le comportement. Il y a des gens qui ont des retards de développement de caractère sexuel secondaire. C'est-à-dire, moi c'est Azarakanamoun, étape na étape. 11 à 12 ans, il y a poussement des tintins, les seins vont sortir, et puis à 11 à 12 ans, il peut régler, il peut avoir des poils en bas des aisselles ou sur le pubis, poils et réalité. Bon, ce sont des malformations, éléments où les parents vont constater. Moi, je suis là, comme déjà à 11 ans, Azarakanamoun, sont à liberté. Moi, na oyo ata ditanga ya poil et mokezo bimate, ezali nini, ezali retard de croissance de caractère sexuel secondaire. Wana ezali signe qu'il y a eu un déficit, peut-être un trouble hormonal ou déficit dit à des malformations congénitales. Donc il faut l'amener rapidement chez le sexologue du moment pour tout que zone qui saye l'état au singeli. Il y avait des fois, dernièrement je venais de recevoir une jolie dame à l'âge de 30 ans. Et qui n'a pas d'organe génital de la reproduction. Azali n'a ce qu'on appelle clitoris, Azali peut qu'on régler. Tant Azali Kosuba peut qu'on régler, mais Azali n'a ma coquille, y a ça acte responsable du foyer, moyen Azali, parce que Azali d'organe génital et la reproduction des bases. Donc sexe naïe Azali visible et bibis Azali poli les pas de poils, mais Azali le clitoris qui sort là où il urine et là où il règle. Et quand je fais des échographies, il a été en Galien, il a fait des échographies, on a envoyé l'Afrique du Sud. Et on a, ses parents n'ont pas de moyens, ils l'ont amené chez le sexologue du moment. Nous avons fait l'échographie, on a vu que la dimension qu'elle manquait, c'était de 1 cm de la peau pour atteindre ouvrir l'organe génital. Nous avons fabriqué un nouveau vagin, ce qu'on appelle un néo-vagin. Et nous avons implanté à la femme, on a fait l'acte pendant au moins reprise avec les infirmières, on a arrangé et la femme maintenant est devenue opérationnelle. Après 28 jours de l'intervention, la femme a repris sa vie courante et avec ses partenaires. Parce que ses partenaires, quand on trouve une jolie dame, on la paye et on l'utilisait par l'anus. Quand on trouve qu'il n'a pas un trou. Et à ce moment-là, nous avons arrangé, créé les petites lèvres et les grandes lèvres par la chirurgie. Et la femme maintenant est devenue fonctionnelle. Comment on peut faire ça? Nous l'avons fait ici au Congo, précisément à la clinique du moment. Félicitations. Et c'est, nous réparons de toutes les malformations congénitales et entrer à la reproduction. Toute autre chose, ce n'est pas à nous. Mais ceux qui en parlent de la reproduction, vous savez, les journalistes, Ezala misonayo, ezala litoi, ezali organe de la reproduction. Au moins, la question qui, il y a des bruits, ce qu'on appelle les sons, vous allez fixer le conduit auditif externe, les voix seront recueillies par les pavillons. Il y a l'itoï. Et puis le conduit auditif externe va coder ces ondes-là en double fonction et en double branché qui va faire des ondes de nœuds et de ventre de vibration. En faisant le nœud et le ventre de vibration, il va décoder les messages électriques qu'il entend et ces messages vont frapper à le conduit auditif externe de l'oreille. À ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle le courant de transcendation sur le conduit auditif externe vers le courant que conduit auditif interne. À ce moment-là, vous aurez le message qui s'est décodé par les chaînes des oscillateurs qui se trouvent au milieu de l'oreille interne. De l'oreille moyenne. Et de l'oreille moyenne va conduire cette voie jusqu'à deux branches qu'on appelle les fenêtres ovales et les fenêtres rondes. À ce moment-là, si la voie limbique que vous m'entendez maintenant, ce passe par les fenêtres ovales dans les limaçons ou les concléiers où on trouve le liquide limbique, là où la personne écoute bien. Mais la voie de fenêtres rondes, là où on trouve les chaînes des oscillateurs qui cheminent jusqu'au cerveau, c'est là qui découle le flux de bruit sonore qui va arriver au cerveau, ça créera maintenant le flux sexuel. Et la personne qui n'a pas vu ni la femme, ni l'homme, même avec les cris maintenant, a des érections, a des sensations sexuelles, seulement par l'oreille. Au minimum, on s'en dit de la tara. Donc, il y a un pour décortiquer une autre moto. Pas tant en haut, il y a importance, il y a organe, moko la moko. Alors, pour le bateau, il y a un problème, la miso, la belle racinisite.
après à mon arabe j'ai mal à monter à mal à monter donc et influera après négativement na vie sexuelle là. Oui les journalistes le monde est confronté là les nions sur un autre esali créé vous savez c'est sur tout le charisme parce que la bouche est deuxième organe sexuel. Nous avons animé. Non, c'est traitable. À la clinique du moment, il y a même un cabinet dentaire pour traiter les gens qui ont des malformations dentaires parce que ça influence le sexe. Vous comprenez? Oui. Nous avons organisé beaucoup de choses ayant trait à la santé de la reproduction. Mais vous savez, des journalistes, avant la création, ce que nous appelons le bouche, 3 semaines de la fécondation, il y a formation des corps jaunes. Ce corps jaune s'est enveloppé de syncytotropoblastiques. Ça veut dire quoi? Les alliés, babou, boule, les os, quoi, fermés, vie à mon tour, avant et après, de formation et à petit corps humain. Après ça, il y aura seulement l'organe sexuel qui s'effondre en premier lieu. Alors, il a créé les yeux pour l'intérêt de lui-même, il a créé la peau pour l'intérêt de sa sexualité, il a créé les oreilles et les cheveux, comme je vous ai dit. C'est tout secret pour l'intérêt sexuel, parce que c'est lui qui a été la 3e semaine de la fécondation, il y a formation des corps jaunes et les incitaux, et après, maintenant, il y aura maintenant la formation des premiers organes, c'est l'organe sexuel, à 3 semaines de la fécondation. Et puis, l'organe sexuel aura besoin de tout le corps pour son intérêt. C'est la raison pour laquelle, que ce soit la peau, le cheveu, le sens de le 5 sens toucher, c'est le 5 sens et jusqu'au 6e sens. Oui, le 6e sens c'est le sens de la psychothérapie. Vous êtes vous pensez la pensée peut vous amener, c'est le 6e sens. Très bien, peut vous amener à ça. Et c'est je vous regarde demain qu'on va revenir parce que la vérité que vous avez une richesse au bruit. Non, franchement, pour finir, nous voulons avoir de votre part peut-être l'adresse, le numéro de téléphone. Et aussi au conclure, la bateau sur la ligne la France était Nino Lolo Kosala, la bango, sur la bango, la sonité, pour montrer la sonité. Merci. Alors, le problème, là, il y a un gamin, mon balta, un gamin, mon vérifié, tout là. Et là, au moment où il y a âge, il y a été. Bon, des journalistes, vous voyez bien que Zambé a Zali, Zambé a Batonios, à que la sexualité on a que Moutoise à l'aise. Au début, tant que la création, Moutoise à l'aise, parce que tous les animaux étaient 2 AD. Il a vu qu'il va créer Ève, la chair de sa chair, l'os de sa chair. Et l'air inné, il devient un quand il s'accouple. Parce qu'on n'est on est pas un avec toutes les femmes de la rue, avec tous les hommes de la rue, mais on est un avec ton partenaire sur le sexe. Très bien. Donc la sexualité, ce qui est dans la salamité, et nous parlons de la sexualité responsable, s'il vous plaît. Genre du foyer. Wow. Et ce qui est dans la malamouté, et ali koko sopo na vie à bateau. On a développé un mot capé pour na développer un foyer na bino. Okay. Alors ceux qui ont constaté que nous autres nous avons ali malamouté, ceux qui ont constaté que nous autres nous avons ali kimikolo koto ali pour développer ma casité. Parce que développement nous autres nous avons ali par rapport à la taille, la paume du main à donc, chacun. Ah, si sur la longueur du de l'organe génital de l'homme en érection et ali et la grandeur des ali longueur au courbé en gros ça dit avec cette les doigts du millier. Vous aurez vraiment ta taille normale par rapport à toi. Donc quand nous vous arrivons, ce qu'on appelle les paramètres anatomo-médical. Lorsque nous vous arrivez, nous vous prenons la taille de l'organe génital par rapport à tes paramètres anatomiques. Donc Dieu en a fait ça parce qu'il connaissait que l'homme normal doit avoir un organe génital capable de satisfaire son partenaire. Et lorsque tu te retrouves que Zoto n'a allé à Kokonda, il faut que le lombard ne parle pas à nous pour avoir le temps là. Est-ce qu'on dit pourquoi? Est-ce que ça l'a qui malade? Non, et ce qui est le qui si malade, mon ami, vous respectez l'angle de 90 degrés. Parce que l'élection égale à l'angle de 90 degrés. Maintenant, il aura l'angle de 45 degrés, donc il n'aura pas l'élection à 90 degrés qui va passer. Vous ne pouvez pas me dire que vous avez un fonctionnement dans le domaine de singularité. Ce qui ne peut constater de moi, pour Azali n'a pas double érection, double éjaculation, toi et pas ma maman, ce qui a eu un posé à partenaire n'a été. On te bringe fragilité, puis nous sommes sur Azali n'a pas ça, mais Azali n'a maladie à douleur, on te bringe disparini. Les disparini, ils allaient catégoriser la 3 habités immissato, ils allaient disparini de l'intromission, on te bringe disparini des contacts. Et puis, après, on a disparu, douleur, douleur, on a contacté, il y a un partenaire, et cause de la contact, il y a une intromission, taux de profondeur ou totale.
babité yimisa tu a disparu ni wana sauf que je peux constater que ma malade wana ils allaient pas nayo benga pesa ni wana benga nan sori ya docteur moyana 081 052 57 08 081 052 57 08 tous les cas dans numéro 10 Naveni Kasavubu, na Kitambo magasin, clinique du moment Zali. Mais sauf qu'il n'est pas allé dans Brazzaville, à l'écapé dans le numéro 40 de Rimbouchi à Potopoto. 40 Rimbouchi à Potopoto, à Kouya, à Koutana sexologue. Mais sauf qu'il n'est pas allé numéro à Kouya conseil, à Béli dans 06 839 01 88 à Koutana, à rendez-vous pour la Koutana sexologue. Pour avoir arrangé sexe naïe, Azalanangamou à Brazzaville, Azalanangamou à Kissam et Zali au Félé. Merci beaucoup. A préparé une bonne côté qui a même la sexologue. Non, nous avons l'argent parce que le gouvernement nous prend en charge. Ah, vous êtes plus en charge, pas du tout. Je suis médecin de l'État, je suis payé par le gouvernement congolais. Merci beaucoup, docteur Michel Onia, Momouni. Alors aujourd'hui, numéro le docteur Michel Onéa, beaucoup bien gaillé, pour le bien gaillé, fonctionnement et organes de la reproduction. Pour tout en elle, l'oublie ce soir, on a 30 minutes pour me laisser pour l'imboula, pour son appel, pour divorcer, pour aussi la peau, tout ça, la batomoro, bada efficace. On a commencé à kanda kanda, pas mbate, kuna et l'eau vous a souhaité. Alors, place à notre rubrique, grandes affiches. Merci docteur. Merci beaucoup, Dudimont.